Faustine Bollaert, qui a fait son entrée dans le classement des animateurs préférés des Français selon le JDD, était de passage dans C'est à vous ce jeudi 5 janvier. L'occasion pour elle d'évoquer les conséquences de son émission, ça commence aujourd'hui, dans sa vie de tous les jours. Tous les jours depuis 2017, Faustine Bollaert prend les commandes de Ça commence aujourd'hui sur France 2. Une émission qui permet aux invités présents sur le plateau de raconter leurs histoires. Regroupée par thème, l'animatrice en voit à chaque fois de toutes les couleurs. Parfois, ses invités la font mourir de rire, des fois, ils la choquent, mais il arrive aussi qu'ils l'émeuvent, à tel point qu'elle ne peut contenir son émotion. Toutefois, les témoignages de ses invités peuvent aussi l'effrayer. Si bien qu'à force d'entendre des histoires négatives, dangereuses, effrayantes et sordides, Faustine Bollaert sent qu'elle est de plus en plus affectée. Dans C'est à vous ce jeudi 5 janvier, elle se confie sur l'impact de l'émission sur son quotidien. Ça devient très anxiogène parfois de faire cette émission en 5 ans et demi d'émission, Faustine Bollaert a entendu des centaines d'histoires sur divers sujets. En effet, l'éventail des thèmes abordés est large. Des rencontres insolites au suicide maternel en passant par la maltraitance en maison de retraite et les trahisons dans les couples et entre amis, rien n'est laissé de côté. Mais l'épouse de Maxime Chattam admet avoir parfois du mal à écouter des témoignages. Ça devient très anxiogène parfois de faire cette émission, explique-t-elle avant de préciser, quand on parle d'abus sexuels sur des enfants, moi-même j'ai des enfants, le soir à la maison, j'ai tendance à poser des questions peut-être un peu trop appuyées alors qu'ils ont passé une journée assez traditionnelle et normale à l'école. La présentatrice de Ça commence aujourd'hui inquiète à cause de son émission Faustine Bollaert et l'auteur de romans à succès vive dans une maison située à la campagne, alors quand elle a entendu dans son émission une histoire de cambriolage à domicile, elle a pris une décision radicale, j'ai immédiatement appelé mon mari derrière. On change l'alarme, on rajoute des verrous, raconte-t-elle avec le sourire. Mais finalement, elle ne plaisantait pas puisque des verrous ont vraiment été ajoutés à leur porte. Ils s'est un peu moqué de moi, mais ça m'a vraiment rassuré, ajoute celle qui considère être plus inquiète que la normale. À lire aussi haut la honte, Faustine Bollaert choquée par une anecdote d'une youtubeuse dans Ça commence aujourd'hui.